arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus le petit pote Sabreco, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo super défi. Avant que la vidéo commence les gars, très très important, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous qui le feront. Si vous avez des questions à me poser, c'est sur Insta les gars. Et si vous avez des idées de vidéos, etc, mettez-les dans les commentaires. Et puis voilà. De quoi c'est un petit splash card, voilà tout simplement, je suis un joueur cimetière. Splash card, je sais pas gérer du tout, ce qui est assez étonnant, mais... Mais on va s'améliorer, vous inquiétez pas. Ok, c'est parti contre Hermès. Allez, bah, ok, nickel. On commence avec le départ. Éclater sa mère. Allez, cimetière. Non, je rigole, évidemment. Ne faites jamais ça. On prend son temps pour jouer cimetière, c'est important. Hop. MK, ça c'est chiant. La catégorie relou, j'appelle le MK. Bah écoutez. Ma faute, c'est quoi? Juste mettre le sur ses places là. Et il va assumer les dégâts. J'ai pas eu de le mettre en retard bêtement. Je vais assumer 800 de dégâts. C'est rien de trop dramatique. Ok, petit tombstone. Ok, un coup sur la tour. Deux coups sur la tour. Trois coups peut-être. À deux doigts de tuer l'arty. Je pense que je vais tirer ma tornade pour tuer l'arty. Donnez qu'on a une tombstone. Ou le cochon, c'est pas trop grave. What? Ok. Étonnant son prince là. Ouais, prince pour défendre une tombstone. Je suis pas sûr. Ok, je comprends. Allez, essaye de surprendre, ça ne marchera pas. On va repoison. On a notre tombstone pour tirer ma cochon, c'est pas trop grave. Là, ça s'en sert qui va mourir, ça c'est cool. On va mettre une tombstone tout simplement. Hop. Ah parfait. Voilà, on a une tombstone encore en full life. On est bien, on est bien. On s'installe tranquillement dans la game. Pas besoin de stresser. Ok. Qui sort ses glaces ici tranquillement. Avec le petit petit baby drain. Et un kit. Voilà, on va pouvoir cimetière par contre. Là, on en a une x2. On peut sortir notre premier cimetière. Ok, parfait. Là, on a un très très beau poison. J'ai limite. Bah non, non, on va se calmer. Pas besoin non plus. On va se renseigner. On va se réinstaller. Pas besoin de se presser. Bah là, bâtard, par contre. Je sais qu'il a des flèches, faut faire gaffe à ses flèches. Faut faire gaffe à ses flèches, c'est exactement ce que je disais. Le bébé dragon, bah laissez mourir, c'est pas grave. Ah, mauvaise artie de sa part là. Bah là écoutez, l'artie, je pense qu'on va pas poison l'artie, on va poison plutôt la sorcière, je pense que c'est mieux. Et ça nous permet d'aller prendre cette tour et cette première victoire par la même occasion, donc ça c'est cool. Ok, bon, voilà. Nickel. Voilà, on a pris notre temps, on a assumé les premiers dégâts avec AMK, c'était pas très grave. Bon, on est sur les premières games, il faut se rappeler qu'on est sur les premières games, donc c'est simple. Mais, ça reste quand même compliqué si on fait mal les choses, donc il faut juste prendre son temps et tout ira très bien. Allez, on se retrouve pour la prochaine game. Les gars, la tête de ma mère que je vais frapper là ce soir, c'est pas possible. On s'en fout de Michou, bordel de merde. On s'en fout. Putain, vous êtes tous là à marceler le message. Ah non, on s'en fout pas. Je sais pas quoi. Si, on s'en fout. Maintenant, vous allez arrêter de m'envoyer putain de message, d'accord? Parce que moi, je vais répondre, là, je vais aller dormir. Et on s'en fout de Michou. On s'en fout. Ceux qui me disent, ouais, t'as mis un filtre bleu. Ouais, c'est parti pour la deuxième monde contre Mélissa. Ouais, c'est... Merde, j'ai mis ce coup, let's go. Ça fait legit 2 minutes que j'attends, c'est n'importe quoi, genre vraiment. Eh ben, décidément, on sera gâtés sur la MK aujourd'hui, hein. Ok, on va détruire le tour du roi.
Parfait. Ok, bon, on va mettre une petite Valkyrie alors. Hop, tranquillement. Il faut s'installer. Ok. Eh yes, la tombstone qui fait plaisir. La vieille tombstone bien dégueulasse que j'ai mise, elle était sacrément dégueulasse du coup. Oh, c'est une catastrophe à mon niveau de jeu là. J'ai un peu cédé que là c'est actuellement ma troisième nuit blanche et il est 1h du matin, donc ça se comprend. Donc là je termine cette vidéo et ensuite je vais direct dodo. Ok. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là? Bah, je pense qu'on attend pour, hein. Je pense qu'on va juste enlever le petit fût. Ouais, je pense que le fût c'est pas mal là. Ça, on peut se rincer avec Tombstone. Ouais, mais lui il est complètement taré, mais il est givré, je vous jure. Ouais. À ce point là. Ah ouais. Ah, c'est du lourd là, hein. Non, il dash. C'est tout ce que je voulais pas qu'il dash. Ah, vas-y, c'est trop intéressant et tout, relou. Voilà, je pense qu'on va, comme on va être assez agressif là. On va envoyer le cimetière. Voilà, s'il te plaît, meurs, nickel. Je veux juste que la sorcière meure. C'était juste mon but que la sorcière meure. On va envoyer une petite tombstone ici tranquillement. Vas-y, utilise ton dash là. Ok, ma poison fût. Le souci qui va le chier sinon. Donc, hop, un poison fût. Voilà, poison qui carré là. Hop, parfait. On est très très bien dans la game. Ok, on va mettre le petit sorcier glace sur le map. Ah, lui il est. Il a un blind pro au cerveau, c'est pas possible. Ah, c'est qu'il a un ballon. J'avais oublié ce détail qu'il avait un ballon. MDR. J'avais oublié qu'il avait un ballon. Bon, il a fait une baisse avec son clone là. Ok, là, le petit poison. Poison bien éclaté d'ailleurs. Bien précisé. Mais c'est ce qui va nous permettre d'aller quand même, je pense, chercher cette win. Ouais, c'est ce qui va nous faire chercher cette win, donc ça va. Bon, cette game un peu catastrophique sur le début, sur la fin ça allait à peu près. Bon. Ok. Allez, c'est parti, 3ème game. J'ai trouvé, c'est vraiment insupportable hein, de prendre 10 milliards d'années alors que je suis pour un 2-0. C'est pas quoi, c'est pas un filtre, c'est ma LED, juste derrière moi là. Ok. Maintenant, allez vous faire foutre. Allez, c'est parti pour la 3ème game. Allez, c'est parti contre Ko, et après je ne pourrai pas prononcer ce pseudo. On va assumer le premier esprit de feu, c'est pas très grave. Ok, il a un fuit à gobelin, ça c'est relou. Après ça va me permettre de défendre l'esprit prochain. Ok, c'est pas trop mal, bon, on va partir à gauche du coup. On va mettre le petit baby dragon. Petit. Ok, bourreau. Fournaise, bourreau. Ok, bon, on n'est pas sur quelque chose de très très. On n'a même pas joué un excellent. Ok, Valky, ouais. Cimetière, bah oui, bien sûr. Bah, pas poison par contre, là. Je vais éviter de poison. Non, mes frères, te mets pas devant la tour. Par contre, j'ai vraiment une main, elle est dégueulasse, hein. Mais ça va. Ouais, j'avais une main, elle était horrible, hein. Merde, putain, elle est opposée, je crois. Putain, je suis trop con. Oh, my bad. Putain, mais je suis à Gobelin cimetière, là. Moi, j'ai pas eu qu'à tour du roi. Putain, je suis débile. C'est terrible, ça, d'être débile comme ça. Ok, déjà, cyclé son bourreau. Je joue contre un 2.1 ou ça se passe comment, là, frère? Ok, on va Valkyrie ici. Est-ce qu'il y a internet? C'est la vraie question que je me pose. Oh, la gueule du bourreau. Oh, la gueule de la Valkyrie, je veux dire. Mais il achète que j'ai mal placé ma Valkyrie et du coup le bourreau il touche, mais.
Ok. Ok, bon, à poison, on va se faire chier. Ah ouais. À ce moment-là, genre. D'accord. Je ne savais pas. On va activer la tour du roi. Parfait. Voilà, on peut s'installer maintenant. On est bien. Tout va bien. Ok. On sent bon, il me saoule. C'est pas surprenant ce qu'il vient de faire. Je m'en doutais qu'il allait tenter de protéger son bourreau comme il fait depuis tout à l'heure. Ça marche pas deux fois, hein, frérot. Ça marche une fois, mais pas deux. Et là, je pense qu'on va aller prendre la tour. Bien sûr qu'on va aller prendre cette tour. Voilà, la gueule des citières, c'est vrai qu'il a un gel, hein. Faut pas que j'oublie. Ouais, c'est vrai qu'il a un gel. C'est vrai qu'il a un gel, ouais, ouais. C'est que... Bah, non, mais Fuego Blanc, c'est me dire gel, hein. Ouais, voilà. Là, le respect est mort. Bon, j'aurais les fuites, ils sont sacrément éclatés. Il va falloir que je m'entraîne aussi sur ça, parce que... Un peu, hein. Ok, nickel. Bon. On se fait une petite dernière game, je pense. Petite dernière game contre Diego. Tranquillement. Allez, c'est parti. Ok, on a encore une main qui est sacrément éclatée. Il joue un petit truc. J'ai sa peur. Ok, bon, oh là. Lockbait. Ok, c'est du Lockbait Prince. Bon, Lockbait Prince, match-up assez éclaté, hein. C'est longtemps, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Ouais, la Thompson va vraiment le faire chier par contre. Ouais, la Thompson va vraiment le faire chier. Ok, bon bah c'est parti, un petit Thompson alors. Ok, il l'a bien mis je crois. Voilà. Ouais, les fûts c'est... On va s'entraîner, vous inquiétez pas les gars, on va s'entraîner. Ok, je pense que je vais aller quand même au poison. Comme je sais, c'était 1000 ans. Là, je vais tornade ça par contre. Non. Oh là, tornade éclaté. Oh la dinguerie que je viens de faire. Ok, bon, on a le sorcier de glace, tout va bien. Ok, on a le fût ici. Bon, on a la Valkyrie pour s'y nommer un fieu gobelin. J'ai pas trop trop peur. Ah, exactement. Hop. Même s'il avait bien mis, je l'aurais one shot. Hein. Bon, on va tempo. L'évasion est une voleuse, je pense. Du coup, c'est peut-être. Ah, mais si, je sais qu'il y a Dexé, c'est un deck que je vous ai présenté. Normalement, il y a une charrette dedans, je crois. Je dis pas de la merde, normalement, il y a une charrette. Ok, on va aller poison la princesse. Bon, non, je vous ces princesses de merde, non. Ok, bon. Petit sorcier glace tranquille. Ah voilà, voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est dès que... Qui était méta il y a 6 mois je dirais, hein. Ouf, je sais pas. Ok, on va les mettre là, Toto ici. Oh là là, oh la belle tornade. On va pas les mettre tant de dégâts que ça, mais on va quand même pas mal... on va clear pas mal de choses. Après si j'espère quel côté aller. Ok, de ce côté on va poison. Parfait. Parfait, parfait. Bah je pense que le bébé dragon c'est ce qui fait le plus chier, donc on va le... on va pêcher avec ça. Hop, on esquive le dash. Et on part cimetière. Ok, ouais, la chair est un peu éclatée de sa part là. Ok, là on a un bon poison, on va aller le prendre évidemment. Et on va aller prendre cette dernière game contre Diego de 100% de skill. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Si vous le détectez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ceux qui ont celle-là, n'hésitez pas à m'écrire hashtag ancienne méta. Parce qu'on a des petits decks, voilà. C'était un vrai coup. Ciao, ciao.